Donc comme d'habitude, on va commencer la soirée, l'after, par la recette dans la cuisine. Sauf que ce soir, ce sera pas une recette de cuisine. La dernière fois, on a eu droit au fondant au chocolat. On va pas manger ce soir. Ce soir, on a Damien qui va venir nous faire des cocktails. Alors Damien, pour la petite histoire, a monté une boîte où il propose ses services en tant que barman sur des soirées privées. Voilà. Donc on laissera les contacts comme d'habitude, on fera les trucs en dessous, les Facebook, le Instagram et machin, les contacts, pour pouvoir le contacter, comme ça si cet été vous organisez un barbecue ou une soirée au bord d'une piscine, vous l'appelez et il vient vous faire vos petits cocktails. Bon, bienvenue Damien. Merci, bonsoir. Ouais. Merci à vous de m'inviter pour le tournage. Ah ben c'est normal, tu sais, on est là pour les gens qui font des choses et qui se bougent un petit peu, donc c'est cool. Ça fait grand plaisir qu'on te reçoit. Merci. Surtout en plus, voilà, tu vas nous faire des cocktails, donc qu'est-ce que tu as prévu ce soir? Et bien alors ce soir on va partir sur un cocktail donc avec du rhum, donc une liqueur de café. Allez go. Donc on part sur 4 centilitres et demi donc de rhum. Le rhum, la meilleure boisson qui existe. Très désaltérant. Ouais. Ensuite on va partir sur donc 2 centilitres de liqueur de café. Ah, cette fois-ci, tu me fais avec du café, parce que voilà. Tu as fait le cocktail pour l'anniversaire à l'Oasis avec de la liqueur de l'amande. Voilà. On essaie de changer un petit peu. Car... Ah bah oui, pas refaire les mêmes. Et on part sur 9 centilitres, donc, de jus d'ananas. Hop. Et donc on va finir sur 2-3 gouttes donc de bitters. Donc ça c'est un concentré en fait, donc il y a de l'alcool toujours dedans. Donc là tu as un concentré donc pour tout ce qui est plutôt cocktail, on va dire tiki, donc tout ce qui est avec plutôt du jus d'ananas, du rhum, Et c'est à base de quoi oui parce que... Donc t'as des. En fait t'as des. Généralement ils donnent pas vraiment la recette parce que c'est vraiment des choses, on va dire, gardées secrètes. Ah, c'est la sauce donc, secrète du Big Mac, c'est pareil quoi. Truc. C'est ça, c'est le truc que tu as essayé de faire 30 fois, que tu n'as jamais réussi à faire chez toi et que tu manges toujours sauf un Big Mac. Quoi. D'accord. Ah bah écoute. Donc voilà. Donc ensuite, on va shaker. Hein. Hop. Donc, hop, ne pas hésiter à mettre beaucoup de glaçons. Et le shaker, c'est le truc à chaque fois qu'on n'arrive pas à ouvrir après, généralement. Mais tu vas voir, une pastille. Hop. Ouais, voilà, ouais. T'as raison. C'est le problème avec les shakers. Ouais, des fois, ça se bloque. Non, mais t'as l'habitude. Ok. Allez, tu goûtes ? Allez, on va goûter ça. Qu'est-ce que t'en penses ? Ça a l'air appétissant, on a l'impression que ça ressemble un peu à un smoothie. C'est marrant. C'est la mousse, qui fait la petite mousse, voilà, en fait. Putain, mais... Ça, par contre, ça doit faire mal à la tête parce qu'on sent pas l'alcool, ouais, voilà. Donc, à boire avec modération parce que, à mon avis, si on en boit 3-4... La soirée, on la termine sur la tête. On sort au bout d'une demi-heure. Dance, quoi. Après. Ouais. Mais c'est très bon. Hein. Donc, si tu veux en faire 2-3, un peu pour faire goûter un peu les gens qui sont là. Pas de soucis, allez, on va régaler tout le monde. Comme ça, voilà, se mettre en mode freestyle. Et puis nous, on n'a pas prévu la suite du tout, du truc. Donc, je ne sais pas du tout ce qu'on va balancer comme reportage. Mais on va balancer un truc et puis vous verrez bien. Puis on se retrouvera après.
Donc voilà, grande nouveauté. Cette fois-ci sur l'after, on n'a pas d'artiste peintre qui vient dessiner sur le mur et mettre sa petite griffe. On reçoit un chanteur. Donc Deadwoo, alias Wood, c'est son nom de scène. C'est ça. Qui vient de sortir un petit EP, t'as fait un petit truc là dernièrement. J'ai fait un clip qu'on peut voir sur YouTube. Ouais, on mettra, comme j'aime bien dire, l'adresse juste ici. Wood, voilà, c'est un morceau qui s'appelle I Go. Et un clip vraiment sympa en plus. Voilà, et fait à Valence et tout ça, avec des gens du coin. Le studio 7RTS avec l'association Isaac et leur projet The Vox. Ouais. Voilà. Et donc toi, t'es valentinois, ça fait longtemps que t'es dans la musique. Ouais. Et sachant que, faut savoir, quand vous faites une soirée avec Deadwoo qui a un concert, s'il y a un concert et qu'il y a un micro qui traîne, faut être sûr qu'à un moment ou l'autre dans la soirée, le micro, il va le prendre et il va chanter. Non, j'ai arrêté ça. T'as arrêté ? Ouais, c'était avant ça. Ah non, c'était bien justement. Ah, bon, écoute, on va te laisser parce que là, tout le monde nous regarde et tout le monde attend ça depuis tout à l'heure en fait. Incroyable. C'est incroyable, t'as vu ça ? Et puis en plus, t'es en direct sur Facebook, hein, alors fais gaffe. Coucou. On va te laisser faire, bah écoute, vas-y. Bah allez, d'accord, je vais le faire. Merci en tout cas. Bah merci à toi d'être venu. C'est cool. Par contre, le chien, va falloir que t'évites de venir foutre ta merde. Ouais, si tu peux éviter de me pisser sur les ponts. Aussi. Ah merde, ah putain, ça sonne dans mon cul. C'est pas bon. Qu'est-ce qui se passe? Les aléas du direct. Ah merde. Meeting was a game, but gonna last at the end. This love is forbidden, but so extreme. My mind is broken, my heart is in pain. I don't really find my way. When I will see it clear, should I disappear? When I will see it clear, too many trouble in my brain. My heart is in pain, just a love song, nothing really warm. One day this story gonna be behind, just another trouble in my mind. When I will see it clear, should I disappear? When I will see it clear, so many trouble in my brain, my heart is in pain, just a love song, nothing really warm. One day this story gonna be behind, just enough trouble in my mind. When I will see it clear, should I disappear? When I will see it clear,
poisse fabuleuse. This thing is so precious. Another life, listen. Et guy, come on. See it as a prison. You must be efficient. Just another bubble in my mind. Let's see what is behind. When I will see it clear, should I disappear? When I will see it. Avec Morty, le programmateur du Mistral Palace. Bonsoir Morty. Bonsoir. Alors le Mistral Palace, est-ce que tu peux nous expliquer vite fait ce que c'est? C'est une salle de concert en centre-ville de Valence, ce qui est pas mal, c'est souvent à l'extérieur. Donc toi tu es le programmateur de cette salle et puis tu es un peu le pilier de cette salle aujourd'hui. Ouais, bah, ça a ouvert il y a 10 ans, donc on fête les 10 ans cette année et bah, ouais, j'ai la chance d'être là depuis le début. Donc, Ah, depuis le début? Ouais, ouais, je savais même pas, tu vois, non, j'aurais pas pensé. Ouais, si, oui. Ouais. À la base, c'est monté sur en mode privé. C'est monté en mode privé par une asso qui a un tourneur valentinois qui s'appelle P-Box, qui a acheté la salle en mode privé. C'est l'ancien cinéma Le Navire qui était à vendre et voilà, on a décidé de l'acheter, de le faire en mode privé. Et du coup, ouais, de réhabiliter les lieux, donc de faire une grosse salle de concert. Il y a encore le théâtre qui est il y avait à l'époque. Un des vestiges du cinéma, on va dire, qui est, voilà, avec le truc qui aujourd'hui sert de théâtre, parce que vous partagez les lieux avec une autre association aussi, ouais, qui s'appelle Comedy Palace, qui fait du one-man show, donc un week-end sur deux à peu près, c'est ça généralement? C'est ça, on est en garde alternée complètement, c'est un week-end sur deux, semaine pair impair. Au départ, les deux premières années où c'était sous l'égide de P-Box, on faisait 140 votes par an. En fait, on a fait de tout, on a fait de l'humour, on a fait du spectacle enfant, on a fait du débat, on a fait des concerts un peu dans tous les styles, de la chanson. On a toujours été qualifié de salle de rock, en fait. Ce qui a été assumé à une époque, c'est-à-dire qu'on a dit, bon, bah, d'accord, on va faire que ça. Alors c'est vrai, par contre, qu'on vient plus ou moins tous, les gens qui ont créé ça, moi, on vient de ce milieu-là. Moi, je viens beaucoup du reggae aussi, finalement. Après, voilà, on a cette image, à savoir qu'on fait d'autres choses aussi. Il y a des soirées électro, il y a des soirées hip-hop, il y a... On a eu la chance d'avoir une pièce de théâtre avec la création des Ramones. Et puis après aussi, on peut louer la salle aussi. Il n'y a pas forcément que votre programmation. Je veux dire, voilà, on est une association de musique X ou Y, on peut venir et louer la salle et proposer la soirée qu'on a envie de proposer. Quoi. Tout à fait, on peut la louer, il y a plusieurs formules, mais en tout cas on est plutôt ouvert à tous les gens qui ont envie de faire des choses. Quoi. Oui, parce qu'aujourd'hui les lieux, voilà, donc, du coup, ça a été monté en privé. Les lieux appartiennent maintenant à la ville. Voilà, ça s'est arrêté et c'est la ville qui a racheté les lieux et qui vous les prête. Vous coulez où? Je ne sais pas comment. Non, c'est prêté, ouais. C'est prêté. Ouais, c'est prêté. Mis à disposition. Avec une convention, nous on s'engage à faire tant de soirées par an. Ok. Donc là, c'est l'année où on rentre sur la saison, vous avez fêté les 10 ans. Donc là, le mois d'octobre qui va arriver, vous avez prévu énormément de choses pour fêter ces 10 ans. Ouais, pour tout dire, moins que ce que j'aurais espéré, mais par manque de temps et d'argent. C'est ce que tu dis maintenant, je pense qu'en fin octobre, tu seras content qu'il y avait peut-être moins de temps. Mais ouais, au bout du compte, on s'en sent pas mal. Ouais. Donc, oui, ça commence, je crois, avec Ashburn au théâtre. Ouais, donc il y a une soirée délocalisée au théâtre de la ville, donc ça en coprod avec le théâtre pour le coup. Avec Ashburn, bon, on est super content. Moi, il y a longtemps que je voulais faire Ashburn au théâtre. Et pour le coup, ça va être un peu plus festif, on va dire, que le théâtre habituellement, ça ferme un peu plus tard, il y a un DJ dans le hall, il y a un bar dans le hall. Oui, vous déménagez la guinguette de Léo, qui ouais. N'est pas là d'ailleurs, merci Léo, qui devait venir. Hein, donc du coup, on ne parlera pas de la guinguette de Léo, hein, il reviendra plus tard. Et après, c'est pas tout, vous enchaînez derrière sur plein d'autres dates encore. Et après, ouais, sur la fin du mois, on fait toute une semaine, donc on
avait fait un festival l'année dernière qui s'appelait Rock Vistand, qu'on avait fait sur 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. Donc on refait ça, donc on assume pour le coup notre image rock'n'roll, et c'est vrai que l'histoire du Mistral, il y a pas mal de joueurs qui ont joué plein de fois, enfin voilà. Donc on enchaîne sur une semaine de rock avec tous les soirs, quoi. Beaucoup de choses, c'est du mardi au samedi. Voilà, bah après bon, les infos elles sont sur, oui, ça fait longtemps que je l'ai pas fait, sur le Facebook du Mistral, ou le site du Mistral, non je l'ai pas fait. Sur le site c'est souvent en retard, mais là ça y est, c'est bon. Les infos sur internet, voilà, ça sera plus simple, on va pas dire maintenant. Mardi au samedi avec... Il y a tellement de groupes que si on commence à tout ça, il y en a pour des heures. Ouais. Eh ben écoute, c'est très bien. Je pense qu'on a toutes les infos, donc n'hésitez pas à aller surveiller le site internet ou la page Facebook. Nous aussi sur le site, on référencera tous les événements. Vous pouvez compter sur nous aussi pour être sur cette semaine-là pour fêter les 10 ans et vous faire un petit reportage bien comme il faut. Mais écoute, Didier, c'est ton vrai prénom, c'est pas Mortis ton surnom. D'ailleurs, Mortis, d'où ça vient? Mon nom de famille. Donc famille? Ah bah oui. Te veille. Ouais. Très bien. C'est un vieux truc du lycée. Et ben voilà, on sait tout. Et ben écoute, je te remercie, puis nous on va continuer la soirée et puis... A tout de suite. On arrive à la fin de l'after numéro 5. Donc on va dire merci au public qui était présent. Merci. Merci à vous. Merci à toi. Comme d'habitude, voilà, on va terminer avec Maxime qui est venu nous ambiancer toute la soirée aux platines. Aux platines, non, les platines sont pas là. C'est un peu compliqué de ramener les platines de l'île des fois. Donc bon, il est venu avec son truc. Donc c'est Maxime qui organise les soirées Oh là là. C'est ça? C'est bien ça, c'est bien ça. Donc voilà, les soirées Oh là là qu'on joue généralement à la Bohème. Oui, essentiellement à la Bohème. Voilà, pour ceux qui connaissent un peu, j'avais le bar Le 3 avant. Donc du coup, j'ai décidé de repartir sur une activité de nuit et sur Oui, parce que ce qu'on sait pas, voilà, c'est que tu avais un bar. Oui, voilà. Avant, tu étais un peu dans le mode de la mode, mais à côté de ça, tu es un grand passionné de musique. Exactement. Et surtout de musique électronique. Je mixe depuis depuis que j'ai 15 ans, donc du coup voilà, j'adore la musique électronique, surtout c'est mon Dada. Mon dada, voilà. Voilà. Exactement. Donc du coup, voilà, aujourd'hui maintenant, tu fais des soirées, tu proposes des soirées à thème qui sont donc passent régulièrement à la Bohème, c'est gratuit. L'entrée est gratuite. Oui, l'entrée est gratuite. C'est important de préciser parce qu'on sait que c'est un peu délicat parfois pour les gens de faire payer l'entrée. Donc voilà, je suis avec un ami à moi et en fait le concept des soirées c'est surtout cabaret électronique. En fait, on a appelé ça comme ça. Et du coup voilà, ça tourne autour de ça. Oh là là, qui est très français. On a voulu mettre en avant le côté français et voilà. Ça commence à 23h. C'est 23h, 4h. Voilà. Oui. L'avantage de la Bohème, c'est que ça ferme à 4h. Donc voilà, au lieu d'aller terminer dans des boîtes de nuit un peu... On dira pas plus que ça. Voilà. On va à la Bohème jusqu'à 4h, c'est gratuit, on rentre pas trop tard et surtout on écoute de la bonne musique. Exactement, de la musique qu'on n'entend pas partout en tout cas. Quoi. Voilà. Bon, j'espère que tu as passé une bonne soirée. Très bonne en tout cas, le public était content j'espère en tout cas. Ouais. Apparemment, ouais. Donc tout va bien, tout va bien. Écoute, nous on va continuer la soirée, comme d'habitude, jusqu'à... Bah écoutez, on sait pas, on n'a pas d'horaire de fin, on verra bien. Dieu seul le sait. Donc voilà, on va laisser Maxime reprendre le contrôle de ses platines et vous ambiancer encore. Donc n'hésitez pas à nous suivre aussi sur Facebook, à venir sur le site internet et vous avez toutes les infos, vous avez tout ce qu'il faut pour passer des bons moments à Valence. On vous remercie encore pour tous les gens qui nous regardent et qui nous suivent. Et puis ben voilà, nous on va continuer la soirée. Moi je vais reprendre ma bière. Et voilà, c'est à partir de maintenant, c'est filmé. On arrête de tout... Ouais, 2, 3, 4. À partir de maintenant, c'est censuré. Voilà. Allez.